organisateurs, et notamment à Elisabeth pour l'invitation. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus de monde dans la salle. Je pense que c'est vraiment dommage, et même si c'est enregistré, que, en tout cas, pour ce qu'on a vu jusqu'ici, qui était de très bonne qualité, je vous laisse juger pour la suite, que ça ne soit pas notamment suivi par plus d'étudiants au niveau de, je sais pas, de l'université de Perpignan, etc. Ouais. Mais on voit que les sessions questions sont aussi importantes. Alors, il faudrait peut-être aussi que les gens qui sont en ligne puissent éventuellement puissent poser des questions. Bon, alors effectivement, je vais essayer de me démarquer un petit peu de mes prédécesseurs qui ont déjà beaucoup débroussaillé le problème du changement climatique et de la manière dont on essaie d'anticiper le futur, en faisant un effort de transparence qui peut paraître un petit peu dangereux, dans le sens où on peut dire parfois que c'est donner du grain à moudre à ceux qui doutent des rapports successifs du GIEC, malgré les conclusions très nettes de ces différents rapports. Mais je pense qu'on est ici devant un public averti, et je pense que c'est important aussi, quand on s'adresse non seulement à des scientifiques, mais aussi à des citoyens, d'être aussi transparent que possible. En tout cas, c'était une des consignes qu'on nous avait données au GIEC, et qui a créé pas mal de débats, y compris au sein de mon chapitre. Et donc, je voudrais soulever trois paradoxes. Le premier, c'est que finalement, dans l'accord de Paris, on ne parle que d'un niveau de réchauffement admissible par rapport à la période pré-industrielle, typiquement 1850-1900. Le mot « eau » n'est nulle part évoqué. Et pourtant, je vais vous montrer qu'on ne sait guère ce que veut dire 1,5 ou 2 degrés de réchauffement concernant l'évolution des ressources en eau à l'échelle locale. Même si ce qu'a dit de manière très générale Valérie, par exemple, est tout à fait exact. Le deuxième paradoxe, c'est que beaucoup d'orateurs, notamment Guy, a dit finalement l'évolution moyenne de la température, ça ne nous intéresse pas, ou de la température moyenne du globe, pardon. Ce qui nous intéresse, c'est les événements extrêmes. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de connaître la distribution des possibles concernant l'évolution du temps. Et le climat, finalement, hein, quelqu'un l'a dit, climate is what we expect, weather is what you get. Donc, effectivement, on est dans le domaine des probabilités. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez été surpris que ce soit ce matin ou cet après-midi, on nous a généralement montré des cartes qui correspondent à la moyenne de tous les modèles utilisés ou à un seul modèle. Alors, si vraiment le climat, c'est l'univers des probabilités, pourquoi ne pas s'intéresser à toute la distribution des modèles et vraiment enrichir notre connaissance de cette dispersion dans ce que nous disent les modèles pour le futur? Et je pense que l'incertitude fait partie intégrante de la connaissance et que c'est toujours pas assez mise en valeur au niveau du GIEC. Et le troisième paradoxe, je l'ai oublié en mentionnant les deux premiers, mais il me reviendra probablement. Bon, allez, on rentre dans l'exposé et il me reviendra. Donc, un petit préambule pour dire aussi de ce dont je ne parlerai pas. Donc, d'abord, dire que, effectivement, garantir l'accès de tous à l'eau, c'est l'un des 17 objectifs de développement durable, et je vous laisserai juger de savoir si développement durable, c'est un oxymore ou pas. Je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le GIEC ne s'était intéressé à l'eau jusqu'ici que dans son groupe de travail 2 sur les impacts du changement climatique. Et en fait, ma tâche a été assez difficile au sein du groupe 1, du premier groupe de travail du GIEC, puisque c'était la première fois qu'on avait un chapitre dédié au cycle de l'eau, et donc c'était un chapitre inédit. Et je regrette personnellement que l'eau n'apparaisse pas à part entière comme étant aussi un thème fort du groupe de travail 3 sur l'atténuation, puisqu'on a vu ce matin qu'une partie des scénarios compatibles avec l'accord de Paris nécessite de mettre en place des méthodes de séquestration du carbone, y compris par une meilleure gestion des surfaces continentales. Et si on veut faire cette séquestration de manière efficace, la disponibilité en eau, évidemment, est un enjeu majeur. Et donc, finalement, le GIEC, ne nous dit guère si les stratégies d'atténuation compatibles avec l'accord de Paris sont réellement résilientes aux impacts avérés et en cours et à venir du changement climatique sur le cycle de l'eau. Et donc, il y a encore besoin de plus d'interdisciplinarité au sein du GIEC. Donc, moi, je parlerai au nom du premier groupe de travail et je mentionnerai essentiellement des flux et des réservoirs, mais au sein du groupe 2, il y a aussi évidemment la question de la qualité de l'eau et bien souvent, malheureusement, notamment le réchauffement des eaux, s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'eau si on ne fait pas des efforts en la matière.
Et enfin, mon exposé sera vraiment global. Je pense que si on ne s'intéresse pas au sort des autres à l'échelle planétaire, probablement on aura du mal aussi à s'intéresser au sort des autres dans le temps, c'est-à-dire au sort des futures générations. Or, on est face à ce genre de problème, et donc je pense qu'il est important de réaliser à quel point le changement climatique va impacter toutes les populations du globe. On dit souvent d'ailleurs de manière plus forte les plus vulnérables et ceux qui ont le moins contribué aux émissions. Et je pense que c'est vrai, mais qu'on sous-estime aussi la vulnérabilité de nos populations à ces changements. Pour mémoire, rappelez-vous des débuts du Covid. Ah oui, oui, effectivement, le système de santé chinois, ils ne sont pas très performants. Ah oui, oui, maintenant c'est en Italie, mais bon, le système de santé italien, c'est quand même pas la France, etc., etc. On a quand même aujourd'hui ce qui fait un petit peu la spécificité de nos pays, c'est une espèce de confiance peut-être excessive en notre capacité à finalement contrôler notre avenir. Et donc je vais semer un petit peu de doute, désolé, sur ça. Mais concernant les changements régionaux, donc l'exposé suivant sera plus explicite. Alors, je ne vais pas commenter cette slide parce que je pourrais y passer une heure, mais pour dire que souvent la connaissance est cloisonnée ou que l'on oppose des choses, alors qu'effectivement, il faut essayer de prendre du recul, y compris quand on est citoyen, et pour avoir une appréciation vraiment globale des risques. Et encore une fois, dans une approche modeste, j'ai été assez marqué par ce que disait André Lebeau dans son livre datant de 2008. Donc André Lebeau, qui a dirigé à l'époque la Direction nationale de la météorologie, avant que ça devienne l'établissement Météo France, qui a aussi été président du CNES, et qui dans cet ouvrage disait « Le rôle des sciences de la nature n'est pas de dire ce qu'il faut faire, ni comment le faire, ni si on peut le faire, mais de dire, avec un niveau d'incertitude aussi réduit que possible, ce qui se passera si on fait telle ou telle chose. » Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de scientifiques qui vont bien au-delà de ça, et on pourra éventuellement en débattre. Alors, concernant, donc, j'ai essayé de faire de l'autocritique, notamment sur le GIEC, alors que, bien entendu, je ne discute aucunement la valeur du GIEC, ce qui a été accompli jusqu'ici, qui est majeur, et la qualité des travaux qui sont menés. Mais je pense que si, dans chaque, finalement, corporation, on cherchait à balayer devant sa porte et déjà à faire mieux, le monde ne s'en porterait pas plus mal. Et donc, je pense que, même au sein du GIEC, bien qu'on ait obtenu un prix Nobel de la paix, on peut s'améliorer. Par exemple, donc, l'organisation du sixième rapport pour le premier groupe de travail n'a pas été décidée par les auteurs. Elle est décidée en amont lors d'une assemblée générale du GIEC. Et donc, elle est souvent présentée de la manière suivante. On a trois chapitres portant sur l'information climatique à l'échelle globale, à la fois en termes d'observation et de projection. On a cette fois-ci beaucoup insisté sur l'information régionale, y compris avec un atlas interactif, ce dont a parlé brièvement aussi Valérie ce matin. Et puis, la connaissance et la compréhension. Donc on a essayé aussi d'avoir ici 5 chapitres intercalés, plus orientés processus. Et donc moi, j'ai été co-responsable de ce chapitre sur les changements du cycle de l'eau. Et on m'a demandé d'avoir une orientation quand même aussi processus, essayer d'expliquer aux décideurs et au grand public comment ça marche. Par ailleurs, il y a eu une grande frustration de la plupart des auteurs de mon chapitre, puisque on était chargé du cycle de l'eau, mais les sécheresses et les très fortes précipitations relevées du chapitre 11. Et pour nous, il nous semblait inconcevable de parler changement climatique et cycle de l'eau sans mentionner évidemment ces phénomènes. Par ailleurs, souvent, le GIEC présente ces chapitres de la manière suivante, en disant que les chapitres en vert sont donc plutôt orientés vers les impacts, alors que les chapitres en rose sont plutôt orientés vers la question de l'atténuation. Si on veut faire simple, l'atténuation, c'est comment éviter l'ingérable. L'adaptation, c'est comment gérer l'inévitable. Bon, et moi, je suis un petit peu frustré, encore une fois, que l'eau apparaisse essentiellement dans le domaine aval des impacts, alors que je pense qu'encore une fois, l'eau est une question très importante sur la question de l'atténuation aussi. Alors, donc, j'ai organisé avec mes collègues ce chapitre 8 finalement reposant sur les trois piliers de la connaissance sur le changement climatique. Un, la théorie, puisque ça a été mentionné notamment par Guy, on a des éléments théoriques de compréhension, et ce que l'on raconte ne relève pas uniquement de l'observation et de nos modèles, mais d'une itération entre ces trois piliers de la connaissance qui font que la connaissance progresse. Donc sur le plan théorique, je vais essayer d'être bref.
Vous êtes maintenant familier avec l'effet de serre, je ne reviens pas là-dessus, hein. C'est un effet naturel qui a d'ailleurs permis probablement l'émergence de la vie sur Terre. Quand on réalise à quel point l'habitabilité de notre planète relève d'un concours de circonstances tout à fait extraordinaire, on se demande si c'est bien raisonnable de vouloir aller sur Mars. En tout cas, ce n'était pas du tout l'idée d'André Lebeau qui, encore une fois, a mentionné l'idée d'enfermement planétaire. Nous sommes condamnés à vivre sur cette planète et préservons-la. Pardon, je voulais juste dire par rapport donc, aux gaz à effet de serre, que ce sont souvent des gaz minoritaires hein, de l'atmosphère, mais que parmi eux, il y a évidemment la vapeur d'eau hein, qui représente à peu près 60% de l'effet de serre naturel. Et j'ai montré dans une publication récente, mais ce n'est pas nouveau, c'était connu bien avant, que le réchauffement global se fait grosso modo à humidité relative constante dans la colonne de la troposphère, c'est-à-dire jusqu'à la tropopause. Hein. Et donc, en fait, une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d'eau. Et comme la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre naturel, on a ce qu'on appelle une rétroaction positive. Donc malheureusement, la vapeur d'eau amplifie le réchauffement global causé par les gaz à effet de serre d'origine anthropique. Et par ailleurs, les nuages sont également responsables d'une rétroaction plus incertaine, mais que l'on soupçonne aujourd'hui d'être plutôt positive. Alors un point clé par rapport aux gaz à effet de serre qui a été peu évoqué jusqu'ici aujourd'hui et qui est fondamental pour comprendre pourquoi les changements hydrologiques n'ont pas été perceptibles plus tôt. Ils n'ont pas été perceptibles, d'une part, du fait de la grande variabilité spatio-temporelle du cycle de l'eau. Et donc, on a ce qu'on appelle un rapport signal sur bruit qui est assez défavorable. C'est-à-dire, l'effet du changement climatique, pendant longtemps, était masqué dans le bruit de la variabilité naturelle du climat qui a été évoqué ce matin. Mais par ailleurs, on a aussi, du fait des activités humaines, eu de la pollution atmosphérique pendant très longtemps, notamment dans les pays industrialisés. Et ces poussières atmosphériques, qu'on appelle dans notre jargon des aérosols, ont au moins trois effets. D'abord, elles ont un effet radiatif. Et majoritairement, ces poussières ont tendance à réfléchir le rayonnement solaire incident et donc à limiter le rayonnement solaire qui est absorbé à la surface des continents et des océans. Et donc à limiter, finalement, l'effet du renforcement de l'effet de serre sur la température du globe. Par ailleurs, certains de ces aérosols ont un effet absorbant. Et donc, ils vont pouvoir modifier le profil vertical de température dans l'atmosphère. Et par exemple, si on a les carbones suies, hein, qui sont émis notamment par les feux de forêt, eux sont absorbants, ils vont pouvoir chauffer l'atmosphère au-dessus de la surface et stabiliser la colonne atmosphérique, ce qui peut avoir une incidence, par exemple, sur les précipitations. Et enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet semi-direct des aérosols. Et enfin, les aérosols ont deux effets indirects, via leur interaction avec la microphysique des nuages. Ce sont des noyaux de condensation pour les nuages, et donc ils peuvent jouer à la fois sur l'albédo et le cycle de vie des nuages. Et ces effets, très complexes, pour l'instant, sont assez incertains. Un peu de physique, mais je ne vais pas aller totalement au bout du raisonnement, mais simplement tenter d'évoquer avec vous la complexité, finalement, de la réponse du cycle de l'eau. C'est beaucoup plus complexe que celle des températures, finalement. C'est qu'on sait très bien, et ça a été dit par Guy, que le cycle de l'eau est couplé au cycle de l'énergie de l'atmosphère. Et si on prend le bilan de l'atmosphère globale, dans son intégralité, on a une petite équation assez simple. C'est l'équation de conservation de l'énergie statique sèche, et qui dit que la chaleur relâchée par la convection lors de la formation des précipitations dans l'atmosphère doit être compensée par le refroidissement radiatif, avec un terme de refroidissement infrarouge au sommet de l'atmosphère, un terme d'absorption du rayonnement solaire, et puis, à la base de la colonne atmosphérique, on a un échange de chaleur, hein, ce qu'on appelle la chaleur sensible, avec les surfaces continentales et océaniques. Eh bien, de manière contre-intuitive, si à long terme, le réchauffement océanique causé par le renforcement de l'effet de serre aboutit à plus de vapeur d'eau atmosphérique, plus d'évaporation au-dessus des océans et plus de précipitations à l'échelle globale, et y compris au-dessus des continents, un peu plus, typiquement 2-3% en plus, par degré Kelvin de réchauffement, eh bien, à court terme, il se passe exactement l'opposé. Parce qu'il y a une inertie du système océanique qui fait que la chaleur met du temps à finalement gagner l'océan et à se répartir à la surface des océans. Et donc, lorsqu'on a d'abord un effet instantané des gaz à effet de serre, notamment du CO2 atmosphérique, qui est de limiter, renforcer l'effet de serre et donc limiter le refroidissement infrarouge. Ce qui fait que, comme on limite ce terme de l'équation, en fait, on limite aussi les précipitations. Et ce qui fait que, en fait, dans un premier temps, les précipitations peuvent diminuer. Alors, une implication de ça, qui n'est pas anodine, c'est que les gens qui nous proposent des solutions de géo-ingénierie pour compenser le renforcement de l'effet de serre
en émettant des aérosols, cette fois-ci non plus dans la troposphère, mais dans la moyenne atmosphère, ce qu'on appelle la stratosphère, où il n'y a pas de précipitation et où ces poussières pourraient résider plus longtemps, ces gens ont tout à fait raison de dire que cette méthode pourrait être très efficace pour limiter le réchauffement. Mais elle ne change en rien la concentration du CO2 atmosphérique, et donc elle ne change pas ce risque d'affaiblissement des précipitations lié à l'augmentation de la concentration du CO2. Elle ne compense que l'effet à long terme. Et donc, par exemple, elle ne limiterait pas forcément le risque de sécheresse, malgré qu'elle limiterait le réchauffement. Autre chose, le réchauffement, il a beau être global, il n'est pas uniforme. Et donc, il y a des gradients de température qui évoluent à la surface du globe. Notamment, ça a été dit, il y a une amplification continentale du réchauffement, il y a une amplification polaire aussi du réchauffement, qui change en fait les grands courants atmosphériques à la surface du globe. Donc, je n'ai pas le temps d'évoquer ça précisément, simplement pour dire que les considérations énergétiques sont importantes pour comprendre la réponse globale des précipitations. À l'échelle régionale, les changements de circulation sont tout à fait importants et malheureusement restent incertains. C'est beaucoup plus facile de dire de combien le globe va se réchauffer que de dire précisément où il va se réchauffer le plus. Et enfin, à une échelle plus locale, une des menaces couramment évoquées au sujet du réchauffement global, c'est la relation de Clausius-Clapeyron. L'idée que la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère, qu'on mesure ici par la pression partielle de la vapeur d'eau par rapport à la saturation, elle augmente avec la température, elle augmente de manière exponentielle. Et grosso modo, à nos températures, pour chaque degré de réchauffement atmosphérique, l'atmosphère peut potentiellement contenir 7% d'eau en plus, de vapeur d'eau en plus. Et donc, on se dit que les événements extrêmes précipitants, lorsque les conditions météorologiques sont favorables pour saturer la masse d'air en eau, elles vont augmenter d'autant. En fait, on s'aperçoit que cette augmentation des précipitations extrêmes, elle est plus importante pour des cumuls de courte durée, par exemple horaires plutôt que quotidiennes. Et qu'elles sont malgré tout, les fourchettes sont très larges d'un modèle à l'autre. Vous avez ici des modèles globaux, mais aussi des modèles plus régionaux en bleu. Et vous voyez que malheureusement, je commence à rentrer dans les incertitudes, malheureusement la fourchette est très large. Certains sont autour de Clausius-Clapeyron, vers 7%, mais on peut très bien avoir du super Clausius-Clapeyron avec des amplifications dynamiques, alors qui peuvent être liées à des circulations des grandes échelles, mais aussi à la dynamique des orages eux-mêmes, qui peut renforcer les vitesses verticales dans l'atmosphère et par exemple expliquer qu'on puisse avoir aussi des grêlons de taille assez rares jusqu'ici, parce qu'on a des courants ascendants de plus en plus forts du fait de la libération de chaleur latente de plus en plus forte dans les systèmes nuageux. Enfin, d'un point de vue théorique, il faut bien comprendre la différence entre, d'une part, aridification et sécheresse, et d'autre part, entre sécheresse à l'échelle interannuelle par rapport au changement climatique. D'une année sur l'autre, ce qui va faire une sécheresse hydrologique ou une sécheresse agricole, c'est un déficit de précipitation. OK ? Bon, c'est-à-dire une sécheresse météorologique. En fait, quand on regarde l'évolution à long terme des ressources en eau, que ce soit dans les fleuves ou dans les sols, il faut évidemment tenir compte d'autres facteurs, et notamment de la demande atmosphérique croissante en vapeur d'eau du fait d'un assèchement à la surface des continents. J'y reviendrai, j'espère, à la fin de mon exposé. Et donc, en fait, il peut y avoir des sécheresses de plus en plus rapides, grandes, fréquentes et longues du fait de cette évolution de l'évaporation à la hausse, indépendamment de l'évolution des précipitations. Et donc, pensons bien que les schémas de compréhension de l'évolution du climat d'une année sur l'autre ne sont pas forcément pertinents pour comprendre l'évolution à long terme. C'est pour ça aussi que je me permets de dire quelque chose à monsieur qui a dit « c'était la réponse que j'attendais ». Attention, toute la démarche scientifique, c'est justement de ne pas préjuger de la réponse. Il faut être très ouvert à la surprise si on veut éviter des problèmes. Donc, que nous disent les observations ? Merci. Bon. Le cycle de l'eau globale a été décrit par Guy. Je passe sur cette slide, je vais essayer d'aller au plus important. Là, je vais, par exemple, revenir sur l'importance fondamentale de la pollution atmosphérique, de ce qu'on appelle les aérosols anthropiques, sur l'évolution du cycle de l'eau au cours du XXe siècle. Et rappeler donc que cette évolution liée au renforcement de l'effet de serre a été en grande partie masquée, voire contrecarrée totalement par les aérosols, par exemple, au niveau des tropiques. Vous avez ici l'évolution en été des précipitations dans l'hémisphère nord. Je crois que c'est essentiellement les tropiques de l'hémisphère nord. En tout cas, c'est dominé par les moussons tropicales dans l'hémisphère nord. Donc, on va avoir les moussons asiatiques, on a aussi la mousson africaine et on a aussi un phénomène de mousson en Amérique du Nord.
Et donc, vous voyez en noir deux estimations de l'évolution des précipitations. Hein. C'est fâcheux, il manque les unités. Je pense qu'il s'agit de millimètres par jour, en moyenne, donc, sur l'été. Souvent, ça va de juin à septembre, hein, cette saison de mousson. Et donc, vous voyez que ça a commencé par diminuer avant d'augmenter. Puis ici, bon, on a quelque chose assez incertain. On ne sait pas trop si c'est de la réponse au forçage ou de la variabilité naturelle. Mais ce qui est sûr, c'est que quand nos modèles sont pilotés par tous les forçages naturels et anthropiques, hein, je ne reviens pas sur cette notion expliquée par Guy, donc ce qu'on appelle les forçages naturels, c'est l'évolution de la constante solaire, les éruptions volcaniques. Les forçages anthropiques, ce sont les gaz à effet de serre, les aérosols anthropiques et éventuellement, dans certains modèles, pas tous, l'évolution des surfaces continentales, notamment le remplacement, par exemple, de surfaces naturelles par de l'agriculture. Et donc, vous voyez que quand on a tous les forçages en rouge, on sous-estime l'amplitude des changements, mais on a qualitativement quelque chose de cohérent avec d'abord une diminution, puis une augmentation. Et les modèles sont des outils de compréhension. D'ailleurs, oui, c'était mon troisième paradoxe. J'essaierai de montrer à la fin de mon exposé que les modèles, jusqu'ici, ont surtout permis de comprendre les observations et que on vit une époque où, du point de vue scientifique, il faut se demander si aujourd'hui ce ne sont pas les observations qui vont faire parler les modèles. J'espère que j'aurai le temps d'en parler. Et donc vous voyez que quand dans les modèles on peut jouer avec les forçages externes, c'est-à-dire oublier les aérosols et ne mettre que les gaz à effet de serre en orange, et dans ce cas-là vous avez une évolution relativement monotone à l'augmentation des pluies de mousson en été. Alors que quand vous mettez les aérosols, vous avez d'abord une diminution forte, puis une diminution plus faible. En fait, cette période de diminution forte, c'est la période où les pays occidentaux ont beaucoup pollué la planète. Depuis le milieu des années 80, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, la pollution a diminué. Malheureusement, en Asie, il y a encore pas mal de pollution. Mais on est en train de passer d'un ce qu'on appelle le global dimming au global brightening effect, c'est-à-dire que le rayonnement solaire incident a d'abord été majoritairement à la baisse du fait de cette pollution atmosphérique. Et aujourd'hui, en fait, la diminution de la concentration d'aérosols dans l'atmosphère est en train d'amplifier le signal lié au gaz à effet de serre, parce qu'en plus d'avoir plus d'infrarouge du fait du renforcement de l'effet de serre, on a aussi plus de rayonnement solaire absorbé à la surface du fait d'une atmosphère plus propre. Vous savez tous qu'après un orage, l'atmosphère est tout d'un coup très propre, et c'est là où on fait les plus belles photos, hein, parce que effectivement, le rayonnement n'est pas du tout diffusé par est réfléchi en partie par ces particules. Donc, ces aérosols ont eu un rôle clé. Je pourrais montrer ici que, contrairement aux gaz à effet de serre, donc, qui ont réchauffé globalement et qui ont conduit à une intensification de la zone de convergence intertropicale, c'est-à-dire de l'équateur météorologique, et à une aridité croissante, alors y compris, hein, malheureusement, sur le bassin méditerranéen, eh bien, pendant longtemps, les aérosols ont conduit à des patterns, c'est-à-dire des structures géographiques assez différentes, avec un gradient interhémisphérique sur le refroidissement relatif de l'hémisphère nord qui était pollué par rapport à l'hémisphère sud, qui ne l'était pas, qui a en fait contribué à, donc en ocre, c'est une diminution des précipitations, à repousser l'équateur météorologique vers le sud et donc à diminuer les pluies de mousson, que ce soit sur l'Afrique et sur l'Asie. Donc au passage, quelqu'un a mentionné René Dumont. Hein. René Dumont a été tout à fait pertinent en disant que malheureusement les famines des années 80 n'était pas sans rapport avec les activités humaines. Mais René Dumont s'est totalement trompé. Il pensait que c'était l'effet des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, alors là, on ne le voit pas très bien, mais sur le Sahel, en tout cas pour le futur, elles auront plutôt tendance, sur le Sahel centre et est, à augmenter les pluies. Et par contre, effectivement, il y a une exception, c'est le Sahel ouest. Mais ce sont surtout les aérosols, en fait, qui ont finalement été responsables des grosses sécheresses qu'on a eues dans les années 80 sur le Sahel, avec des facteurs évidemment politiques qui ont aggravé la situation, et aussi un possible rôle de la variabilité naturelle des températures de surface sur l'Atlantique Nord. Je passe sur ce transparent qui a été montré par Valérie, hein, qui dit simplement que dans les observations qu'on a depuis 1950, au moins dans les régions où on a suffisamment d'informations, c'est-à-dire les régions qui ne sont pas en gris, eh bien on a déjà de nombreuses régions qui montrent que la fréquence et l'intensité des phénomènes pluvieux intenses a déjà augmenté. Et que là où il y a des points, on a notamment deux points, on a une confiance modérée sur le fait que c'est lié aux activités humaines. Lorsqu'il y a un seul point, la confiance est encore plus limitée. Malheureusement, encore une fois, il y a une très forte variabilité interne. Et donc, même si les scientifiques sont intimement convaincus de l'effet de l'homme, le prouver de manière objective et statistique reste un défi bien souvent. Et donc, fait appel à des méthodes d'attribution formelle.
Par exemple, sur la Méditerranée, la synthèse que l'on a pu faire au sein du GIEC, sur cette région hexagonale qui, en fait, recouvre le sud de la France, mais aussi l'Espagne, l'Italie, peut-être même la Grèce, eh bien, en fait, on n'a pas encore de consensus sur l'augmentation, alors qu'en France, les travaux menés, par exemple, par mon collègue Aurélien Rib montrent que d'ores et déjà, ça a été mentionné, il y a une augmentation de l'intensité des phénomènes extrêmes, notamment à l'automne sur le sud-est de la France, qui est avéré et qui est conforme un petit peu à ce que l'on attend d'un réchauffement atmosphérique. Donc ça a été montré aussi par Valérie concernant les sécheresses. Donc là, vous voyez, ce sont des phénomènes aussi difficiles à documenter dans bien des régions, mais pour l'instant, les seules régions, à part ici une région en Australie, les seules régions où on a un signal clair, ce sont des régions qui montrent un assèchement, et cet assèchement est très clairement lié aux activités humaines dans le pourtour méditerranéen, et commence aussi à émerger sur l'ouest de l'Europe, comme on l'a vu très clairement cet été. L'été dernier. Je passe sur le land use, encore une fois, au-delà de l'effet de l'homme sur le cycle de l'eau via le climat. Évidemment, l'homme peut avoir donc un effet sur le climat via l'utilisation des surfaces, et aussi, il peut avoir un effet direct sur le cycle de l'eau, via les prélèvements, ça a été mentionné. Et cette anthropisation croissante du cycle de l'eau est un vrai problème pour l'attribution, parce que s'il y a un effet de l'homme sur les débits des fleuves, par exemple, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre, ça a été dit ce matin, entre l'effet direct de l'homme via les prélèvements et l'effet via le changement climatique. Alors, dernière slide sur les observations, pour vous dire qu'effectivement, les satellites nous permettent d'avoir vraiment une observation à l'échelle globale. Malheureusement, ne nous donne pas toujours un recul historique pour apprécier vraiment les tendances à long terme. Ici, on a une mission de géodésie spatiale très intéressante qui permet de finalement mesurer très précisément, mais à relativement basse résolution spatiale, les variations de stock à la surface des continents. On corrige d'un effet vapeur d'eau, on enlève les variations de vapeur d'eau, les effets météorologiques, et on regarde comment varient les stocks qui correspondent à la fois aux eaux superficielles, à l'humidité des sols, mais aussi et surtout dans certaines régions à l'évolution des nappes. Et on voit par exemple des régions comme ici la mer d'Aral, où on a des tendances. Alors ici, ces tendances, encore une fois, les séries sont relativement courtes. Elles démarrent en 2002 et ici s'arrêtent en 2016. Mais on voit très clairement une diminution, en fait, qui a commencé dès les années 50 et qui est essentiellement liée à une riziculture intense par irrigation sous l'Union soviétique. Pour vous dire que finalement, ceux qui veulent renommer l'anthropocène en capitalocène, peut-être devraient réfléchir à ça et se dire que c'est bien plus profond. C'est quelque chose lié à une économie productiviste, peut-être particulièrement efficace en régime capitaliste, mais on voit que d'autres régimes ont été productivistes et n'ont pas forcément anticipé l'effet de leurs actions sur leur environnement et la durabilité de ces systèmes. Donc les projections, elles sont basées sur des modèles. Ça a été très bien expliqué par Guy. Et donc je voudrais relativiser la confiance que l'on a dans ces projections. Non pas pour dissuader d'être encore plus motivé concernant la nécessité d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, mais pour évoquer le principe de responsabilité, notamment qui a été popularisé par Hans Jonas, le philosophe allemand. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre essentiel, qui est un petit peu à la base du principe de précaution, mais moi je préfère le principe de responsabilité, et qui dit qu'on ne peut pas accorder la même confiance à un scénario optimiste et à un scénario pessimiste. C'est-à-dire que notre attention doit être très focalisée sur ce qui est plausible et que l'on ne peut pas exclure et qui aurait des impacts considérables. Et donc, il n'y a pas trop de risques à en faire un petit peu trop en termes d'action concernant l'adaptation ou l'atténuation, puisqu'on voit qu'on est très en retard par rapport déjà aux projections moyennes. Mais par contre, il est très intéressant pour les décideurs et les citoyens de voir si en fait ce qu'on nous raconte, c'est vraiment le scénario du pire. Je ne vais pas commenter les propos de M. Béchu, je suis à Météo France très contrôlé du point de vue de la communication. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le seul exemple qu'on a eu de ça au cours de l'exposé de Valérie, c'est concernant le niveau de la mer. Vous vous souvenez? Elle a dit, voilà, il y a ce que disent les projections sur la base des hypothèses les plus probables, mais on ne peut pas exclure que. Et vous vous rappelez, c'était bien pire. Donc ça me fait vraiment réfléchir à cette histoire de communication. Si vous avez été attentif lors de la parution du rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré, une des conclusions qui a été relayée par tous les grands médias, c'est que si on réchauffait la planète de 2 degrés plutôt que de 1,5 degré, le niveau de la mer s'élèverait de 10 cm en plus. J'ai envie de vous poser une question. Pour vous,
de combien le niveau de la mer augmentera pour un réchauffement de 1,5 degré. Bon, vous avez bien raison de ne pas vous mouiller, ce n'est pas simple. On pourrait tenter de faire une règle de 3, on aurait tort. En fait, donc, ces 10 cm supplémentaires sont en gras dans le résumé à l'intention des décideurs. Et ce qui est écrit en petit, et pas en gras, c'est que pour un niveau de réchauffement de 1,5 degré, l'élévation du niveau de la mer, selon les scientifiques, pourrait être entre 17 et 76 cm. Je vous demande, quelle est l'information la plus importante ? Celle qui est en gras, plus 10 cm, ou celle qui est en fin ? On ne peut pas exclure que même à 1,5 degré, ça puisse aller jusqu'à 76 cm. En fait, je pense que c'est une question hautement politique, et ce n'est pas aux scientifiques de décider ce qui est le plus important. Alors, cette figure a été montrée concernant l'évolution des précipitations annuelles. Donc, la grande nouveauté, finalement, de l'ARC, c'est qu'au-delà de raisonner en termes de scénarios, dont on a vu qu'aujourd'hui, on se permet de dire qu'ils sont plus ou moins crédibles, aujourd'hui, on se dit, alors, petite remarque aussi au sujet du pire des scénarios. Parce que là, encore une fois, essayons de nous élever un petit peu et de comprendre que le pire des scénarios pour quelqu'un qui travaille dans le premier groupe de travail n'est pas forcément le pire des scénarios pour quelqu'un qui travaille dans le groupe 2 ou 3. Le pire des scénarios évoqué constamment par Guy Brasseur, donc c'est quelque chose qui finit par 8,5. 8,5, c'est quoi ? C'est 8,5 watts par mètre carré en plus d'énergie au sommet de l'atmosphère. Mais vous avez vu qu'il y avait par exemple un scénario SSP 3.70. 7,0, c'est 7 watts. Et donc, il y a des familles. Il y a les SSP 1, 2, 3, 5. Eh bien, pour nous, le 5 est associé à 8,5 watts, et donc c'est le pire des scénarios. Mais pour quelqu'un qui est sensible, par exemple, à la justice, à l'équité, au développement bien partagé entre le Nord et le Sud, il considérera que mieux vaut ce scénario-là que le SSP 3, 7,0. Parce que dans le SSP 3, 7,0, on est capable de limiter à 7 watts l'excès d'énergie au sommet de l'atmosphère, parce que on admet finalement poursuivre une politique qui contribue à augmenter les inégalités entre le Nord et le Sud, et on empêche le Sud de se développer. Donc, voilà. Ces scénarios, en fait, ils ont différentes dimensions. Ils ont des dimensions socio-économiques, ils ont des dimensions éthiques, et ce ne sont pas uniquement des objets physiques. Donc, aujourd'hui, plutôt que de raisonner en scénarios, en raison de l'accord de Paris, on raisonne plutôt en niveau de réchauffement global. Donc, avec une cible à 1,5 degré qu'on aimerait bien atteindre, mais dont on sait aujourd'hui qu'elle est clairement hors de portée. Une cible dont Valérie nous a mentionné qu'elle serait probablement dépassée si on utilisait à plein toutes les infrastructures existantes d'extraction d'énergie fossile. Et donc, ça demande là aussi à faire de sérieux efforts d'atténuation. Et puis, une cible donc, qui n'est pas celle... évoqué par exemple par Christophe Béchu dans le pire des scénarios d'adaptation pour la France, puisque, en fait, 4 degrés sur la France, c'est grosso modo 3 degrés à l'échelle globale. Donc là, c'est un scénario où on irait même jusqu'à 4 degrés à l'échelle globale. Et en fait, moi, je regrette un peu que ce changement de raisonnement n'ait pas changé la manière de montrer les résultats, parce qu'avant, on avait N cartes qui se ressemblaient avec différents scénarios, et maintenant, on a N cartes qui se ressemblent avec différents niveaux de réchauffement global. La question scientifique, pour moi, c'est plutôt de savoir si tout est aussi régulier et linéaire qu'on le dit bien souvent. C'est-à-dire, est-ce que finalement, à 3 degrés, on a juste deux fois ce qui se passe à 1,5 degré ? On a fait ce genre de carte dans notre chapitre, et en fait, on s'aperçoit que probablement non, tout n'est pas si linéaire que ça. Et en fait, du point de vue du cycle de l'eau, encore une fois, il y a des phénomènes très complexes. Par exemple, cet effet radiatif instantané lié au CO2, qu'il faut distinguer de l'effet à long terme lié au réchauffement. Et donc, c'est une simplification qui me semble, malgré tout, suffisante pour communiquer sur l'urgence d'atténuer et de faire de l'adaptation, mais qui est une simplification, encore une fois. Les modèles sont une simplification de la réalité. Et les modèles de discours aussi. Au-delà donc, des changements en moyenne annuelle, il y a la saisonnalité, évidemment, qui est importante, puisque, malheureusement, certains raisonnent, disent, bon, il y a suffisamment d'eau pour tout le monde sur la planète. Oui, mais elle a la fâcheuse tendance à être inégalement répartie dans le temps et dans l'espace. Donc, par exemple, ici, on a un indice sur la saisonnalité des précipitations. C'est un indice très simple et qui montre que, en fait,
là où la saisonnalité est la plus forte, c'est là où on a des couleurs rouges. Hein. Et donc, évidemment, sur le Sahel, mais bon, voilà, on est aussi en bleu clair sur le sud de l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on a une certaine saisonnalité. Et malheureusement, quand on raisonne donc pour différents scénarios, et notamment pour le scénario finalement à très faible atténuation, eh bien, vous voyez que la saisonnalité augmente singulièrement, notamment sur le pourtour méditerranéen, avec donc une saison des pluies qui va éventuellement pas être nécessairement plus marquée, mais une saison sèche qui va être plus marquée en sec. Et donc ça apparaît déjà aussi sur un scénario médian. Ce qui n'est pas dit souvent dans toutes ces cartes, c'est qu'il y a des hachures. Les hachures, c'est les endroits où en fait les modèles ne sont pas d'accord sur la réponse en termes de signes. Donc on ne sait même pas dans quel sens ça va changer. Et dans mon chapitre, les gens étant un peu hermétiques aux incertitudes, ils ont décidé que l'accord entre modèles, c'était au moins 80% des modèles. Dans d'autres figures, c'est 90% des modèles. Là aussi, il y a des choix arbitraires scientifiques qui demanderaient un vrai débat éthique avec le grand public. Par exemple, quand on nous dit quelles sont les émissions de CO2 qui sont compatibles pour qu'on ait une chance sur deux ou deux chances sur trois de limiter le réchauffement global à 2 degrés. C'est le vocabulaire courant du résumé à l'intention des décideurs. De deux choses l'une, soit on a affaire à une menace très grave, et je suis un peu surpris qu'on discute de niveaux de réchauffement, d'émissions, pardon, qui sont compatibles seulement avec une chance sur deux ou deux chances sur trois de traiter le problème. Si vous avez, je ne sais pas, une maladie grave, je ne vous l'espère pas, mais si vous avez une maladie grave, vous allez voir votre médecin, il vous dit, voilà, j'ai un traitement, une chance sur deux que ça marche. Moi, je ne sais pas, soit le problème est grave, et dans ce cas-là, on dit clairement, qu'est-ce qui nous donne 9 chances sur 10 de ne pas faire ça? Simplement, 9 chances sur 10, il n'y en a pas. Hein. 9 chances sur 10, ça n'existe pas pour limiter à 2 degrés. C'est déjà trop tard. Et donc, je pense que, voilà, tous ces seuils, tout ça, toute cette communication, elle demande à être critiquée par le grand public et les citoyens. Au-delà des précipitations annuelles ou saisonnières, on s'est intéressé aux précipitations quotidiennes. Ce qu'on voit, donc, d'une part, c'est que l'intensité des pluies, quel que soit le scénario, mais évidemment, grosso modo, proportionnellement aux efforts d'atténuation que l'on va faire, on a une augmentation de l'intensité des pluies. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intensité des pluies quotidiennes? C'est simplement le cumul annuel de pluies divisé non pas par le nombre de jours de l'année, mais par le nombre de jours de pluie. Et comme nos modèles ont tendance à faire un peu de crachin, trop souvent, en fait, pour nous, un jour de pluie, c'est au moins 1 mm dans la journée. Mais vous voyez que si ça, c'est relativement uniforme et progressif, en fait, en termes de nombre de jours sans pluie, c'est-à-dire inférieur à 1 mm, vous voyez une répartition beaucoup plus hétérogène. Et donc, ce qui va finalement donner la structure géographique des changements de précipitation annuels, c'est un petit peu la combinaison de ces deux facteurs, ce qui explique qu'effectivement, même s'il y a une augmentation de l'intensité dans le pourtour méditerranéen, la baisse du nombre de jours de pluie, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de jours secs, ici, en rouge, explique qu'il peut y avoir une diminution des précipitations annuelles. Et donc ça devient particulièrement marqué, hein, je ne sais pas les valeurs, là c'est je crois jusqu'à 50 jours, hein, pour un scénario où il n'y aurait pas d'atténuation. Autre chose que je voudrais évoquer, hein, le climat, c'est ni que les phénomènes extrêmes, ni que la moyenne, c'est tout le spectre. Et une chose qui change, c'est la variabilité dans le cycle de l'eau. Elle va augmenter quasiment à toutes les échelles, et c'est illustré ici à l'échelle interannuelle. Vous avez ici... Donc, en ordonnée, les changements relatifs en pourcents en fonction du niveau de réchauffement global, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés. Alors, tous les modèles n'atteignent pas 5 degrés, donc on n'a pas forcément autant de modèles pour documenter ce qui se passe à la fin. Ici, au bout, on a les intervalles de confiance, 5,95% pour ceux qui font des statistiques, pour ce réchauffement de 5 degrés. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des intervalles de confiance, là encore, très larges, c'est-à-dire qu'au-delà de cette réponse moyenne multimodèle, il y a une forte dispersion. Mais ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, concernant l'eau précipitable, c'est-à-dire la vapeur d'eau atmosphérique, elle augmente grosso modo de manière linéaire avec le réchauffement global et typiquement de l'ordre de 7% par degré de réchauffement, donc de manière conforme à ce que je vous ai raconté concernant l'évolution du climat à humidité relative constante, c'est-à-dire à 2 degrés, on est à peu près à 14% d'augmentation. Mais si on regarde les précipitations annuelles ou le ruissellement annuel, il augmente de manière beaucoup plus faible, hein. Et par ailleurs, ce que l'on voit est de manière plus intéressante. Alors là, pardon, oulala, j'ai oublié de dire que ça concernait quand même ici uniquement les tropiques, hein, donc sur continent.
Et donc, plutôt en été, si ma mémoire est bonne, quoique ici, ce n'est pas précisé. Non, c'est peut-être été comme hiver, toute l'année confondue. En fait, on voit que la variabilité interannuelle du runoff ou des pluies, elle augmente beaucoup plus que la moyenne. Donc, et ça, c'est un effet corrigé des tendances à l'augmentation. Hein, c'est vraiment de la variabilité d'une année à l'autre. Donc voilà, une plus grande irrégularité de la précipitation et du ruissellement, et donc une plus grande volatilité de la ressource en eau. Et donc en termes d'adaptation, ça aussi, c'est vraiment, il faut vraiment aller au-delà de ces chiffres moyens et réaliser que ça va être aussi plus variable d'une année sur l'autre. En France, on a eu quand même deux printemps très contrastés entre 2022 et 2023, et on ne peut pas exclure que les fortes pluies qu'on a eues cette année soient en partie liées au changement climatique, de même que la forte sécheresse qu'on a eue l'an dernier. Et comme l'a expliqué Valérie, en fait, on réfléchit ici en termes de probabilité. On est capable aujourd'hui de calculer la probabilité d'occurrence d'un événement particulier en climat contemporain versus climat pré-industriel et versus climat futur. Pour aussi témoigner à nouveau des incertitudes sur les projections hydrologiques, ici on a des projections de débit à l'échelle de grands bassins. C'est pas le Tête, c'est le Mississippi, le Danube, l'Alena, l'Amazone, l'Euphrate, le fleuve jaune, le Niger, l'Indus et puis la Murray en Australie. Vous n'avez qu'un fleuve parmi ces neuf, l'Alena, où les modèles sont d'accord sur le signe de l'évolution. Aux hautes latitudes, ça a été dit, les précipitations augmentent et le ruissellement va augmenter. Quels que soient les modèles, alors l'intervalle de confiance sur les modèles, c'est le shading, au-delà de la moyenne multimodèle, et quel que soit le scénario. Vous avez trois scénarios ici, à nouveau avec ces SSP, et donc il y a un scénario sans atténuation qui permet d'aller plus loin, explorer plus loin des degrés de réchauffement. Mais vous voyez que, par exemple, ici, le Niger, alors non seulement on ne connaît pas vraiment le signe, donc on aurait peut-être tort de se fier uniquement aux moyennes, mais par ailleurs, vous voyez qu'à niveau de réchauffement donné, de degrés, on n'a pas les mêmes changements en pourcents selon le scénario regardé. Donc contrairement à l'idée un petit peu simple qui est en première approximation exacte, quand on regarde finement les choses, même en moyenne multimodèle, on se rend compte que les changements du cycle de l'eau sont ce qu'on appelle en anglais « pathway dependent », c'est-à-dire qu'ils dépendent de la trajectoire qui nous fait atteindre un niveau de réchauffement donné. Et donc, il n'y a pas une relation bijective et univoque entre un niveau de réchauffement global et des changements hydrologiques à l'échelle régionale. Et si on regardait chaque modèle individuellement, ce serait bien pire. Et si on regardait des plus petits bassins, ce serait encore bien pire. Je vais peut-être passer justement, être totalement transparent sur une des figures qui m'a donné le plus de mal pour qu'elle figure dans mon chapitre au sein du rapport du GIEC. Les gens m'ont dit, mais Hervé, tu tends la perche pour te faire battre, tu vas décrédibiliser toutes les conclusions du GIEC. J'ai dit, on m'a demandé d'être transparent, on va être transparent. Alors, je vais quand même aller au bout de ma philosophie pour vous mettre en garde. Pour moi, l'idée d'être transparent sur les incertitudes, ce n'est pas du tout l'idée de semer le doute sur les conclusions du GIEC. C'est de dire que, encore une fois, en lien avec le principe de responsabilité, il faut prêter plus d'attention au scénario du pire. Et donc l'incertitude, loin d'être un prétexte à l'inaction, devrait, si nous étions sérieux, être un levier supplémentaire à l'action. Et je pense qu'il est urgent de changer notre communication à ce sujet. Imaginez que vous roulez la nuit sur une route de campagne, ou même, allez, sur l'autoroute, soyons fous, l'autoroute du progrès. On roule assez vite, bon, on est encore au véhicule thermique, et puis on a des phares, c'est la nuit, et les phares, je vais manquer de modestie, les phares, c'est un peu les scientifiques, c'est ceux qui permettent d'anticiper un peu ce qui va se passer. Et imaginez que, comme c'est le cas ici, les phares ont une faible portée. Les phares, finalement, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne permettent pas de voir très loin. Est-ce que vous allez accélérer ? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous accélérons alors que nous roulons dans l'obscurité avec des phares de faible portée. Totalement ubuesque. Donc, encore une fois, essayons je ne sais plus quoi utiliser, mais l'incertitude ne devrait pas être un prétexte à l'inaction. Elle devrait, au contraire, nous rendre encore plus prudents. Et donc ici, c'est l'incertitude sur les projections de précipitations en valeur annuelle, moyennées sur 20 ans, à trois horizons temporels. Le court terme, pour le GIEC, c'est 2021-2040, moyen terme et long terme, 2081-2100. Ces trois sources d'incertitude sont le choix du scénario d'émission, donc allant du fameux SSP 1 jusqu'au SSP 5, le choix du modèle, donc ici on est dans la génération des derniers modèles, c'est l'état de l'art, les modèles CMIP6, et puis ce qui a été évoqué aussi par Guy, la variabilité interne du climat. Si vous choisissez un modèle et un scénario,
vous changez un petit peu les conditions initiales, le modèle ne va pas faire une simulation identique. Il va réaliser une nouvelle trajectoire du climat qui se traduira par des changements régionaux de précipitations, même moyennés sur 20 ans, qui pourront être différents. Qui est capable de me dire ici où se situe, par exemple, alors ici, ce sont des fractions, c'est la fraction donc, de la contribution de chacune de ces trois sources d'incertitude à l'incertitude totale. Ça va, vous me suivez? Donc, par exemple, quand on est en rouge ici, au milieu du 21e siècle, hein, c'est qu'on représente plus de 70, voire 80% de l'incertitude totale. Où sont, quelles colonnes représentent ici le choix des scénarios d'émission? C'est celle-ci. Ici, vous avez l'effet de la variabilité interne, qui, comme l'a dit Guy, va s'exprimer surtout à court terme, puis à plus long terme, l'effet du changement climatique va dominer, donc la contribution ici en moyenne globale est de 5% sur l'incertitude à la fin du siècle. Mais par contre, vous voyez que sur les 20 prochaines années, ce n'est pas négligeable du tout la variabilité interne. Donc quand on fait de l'adaptation, on ne peut pas se contenter de travailler sur la réponse du climat au forçage anthropique. Il faut intégrer cette variabilité qui, par ailleurs, je vous l'ai dit, va augmenter du point de vue du cycle de l'eau en réponse au forçage anthropique. Donc n'oublions pas qu'on peut aussi être sous-adapté parce qu'on n'a pas anticipé l'effet de la variabilité interne. Et on voit qu'aujourd'hui, déjà, on est souvent sous-adapté par rapport à l'aléa climatique. Et donc, vous voyez que l'élément central d'incertitude pour les précipitations, pour les températures, c'est différent, pour les précipitations annuelles, ce sont les modèles. Et vous voyez que ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas atténuer. Dans chacun des modèles, bien sûr, l'effet du réchauffement sur les précipitations est plus faible si on émet moins de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est sûr qu'il faut atténuer. Mais par contre, ce que dit clairement ce graphique, c'est qu'il y a plus de différence entre deux modèles à scénario donné qu'entre deux scénarios à modèle donné. Et donc, nous, encore une fois, il faut qu'on balaye devant nos portes pour fournir aussi quand même des résultats qui permettent peut-être aux décideurs d'évoluer dans un univers moins incertain. Donc, au milieu du siècle, 17% pour la variabilité interne, 77% pour les modèles et 6%, je crois, pour les scénarios seulement au milieu du siècle, en moyenne globale. Alors ça, le groupe 2 du travail, le deuxième groupe de travail du GIEC est familier avec ça, parce qu'ils travaillent sur les impacts. Et donc, ils sont très conscients de ces incertitudes. Et contrairement à ce qu'on a fait dans le groupe 1, ils ont eu l'intelligence, au-delà de donner les changements médians ici pour les précipitations, ici pour l'eau du sol, pardon, la colonne d'eau dans le sol, donc les changements en pourcents, donc les changements médians parmi tous les modèles, mais aussi le percentile 5 et 95 de la distribution multimodèle. Ça va, vous me suivez, C'est-à-dire on regarde un petit peu les queues de distribution, non pas du point de vue de la variabilité temporelle, mais du point de vue du comportement des modèles de climat. Et donc vous voyez que si on se situe, on ne va pas dire ici, mais dans le Gers, par exemple, ici, qu'on soit à 1,5 degré, on peut dire ici, en médian, il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, si on regarde le percentile local, aucune de ces cartes n'est réalisée globalement. Mais l'adaptation, encore une fois, se fait localement. Donc ce sont des percentiles locaux et qui ont leur importance pour l'adaptation. Vous voyez, on serait plutôt dans un environnement comme ça, alors que si, par chance, en fait, c'est plutôt l'humidification qui est réaliste, évidemment, on aura moins de problèmes. Donc, les fourchettes restent très, très, très larges. Je ne dis pas aujourd'hui que j'ai plus confiance dans ces extrêmes que dans la réponse médiane des modèles, mais je vais tâcher de vous montrer qu'on sort aujourd'hui de la démocratie des modèles comme on sort de la démocratie des scénarios. Tous les scénarios ne sont pas équiprobables et tous les modèles ne sont pas équiprobables. Alors, la conclusion va être un peu plus personnel que ce que dit le GIEC, parce que pour l'instant, quand même, je me suis basé avec un discours un peu atypique, mais sur des figures essentiellement tirées du GIEC, et notamment du chapitre 8. Donc, une des conclusions que j'ai essayé d'évoquer, c'est que, dans notre jargon, la sensibilité climatique, c'est la réponse de la température du globe à un doublement de CO2. C'est ça qu'on appelle la sensibilité climatique. C'est un peu réducteur, non? Le climat, c'est pas que de la température. Et en fait, quand vous êtes malade, le médecin ne se contente pas de prendre votre température. Il va probablement vous prendre la pression artérielle et puis probablement vous demander de faire une analyse de sang au minimum. Vous avez un problème grave, quoi. Il ne va pas juste vous mettre le thermomètre. Et donc, je milite pour que les négociations
internationale autour du changement climatique ne soit pas rivée à un indicateur trop simpliste qui est la température du globe. Certains spécialistes de l'hydrologie, avec cette figure par exemple, ont bien compris la situation. Ils disent qu'en fait, on a affaire à une cascade d'incertitudes qui partent des scénarios d'émissions puis de concentration, parce que là aussi, il y a des étapes, de la modélisation climatique globale, mais en fait, dépendant des conditions initiales. Et donc, il faut échantillonner la variabilité interne pour avoir une appréciation de ce qui relève de la réponse au forçage par rapport à cette variabilité interne. Il faut faire des grands ensembles, probablement plus importants que ce que nous faisons actuellement dans les exercices CEMIP qui servent de support au rapport du GIEC. Il faut mettre en œuvre des méthodes de descente d'échelle dont vous parlera ma collègue Lola, soit dynamique, soit statistique. Et puis ensuite, les hydrologues ont leurs propres modèles qui eux-mêmes ont des paramètres empiriques et incertains. Petite parenthèse sur l'IA. J'étais d'abord en désaccord avec les réponses de Guy, puis il a corrigé. Oui, mais nos modèles aussi ont une part d'empirisme. Et oui, malheureusement, dans nos modèles, il y a tout un tas de paramètres qui, malheureusement, sont relativement empiriques. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils soient tous aptes à reproduire, grosso modo, le climat présent, parce qu'on arrive à régler les boutons comme il faut, mais pas forcément d'accord sur la sensibilité aux facteurs anthropiques. Parce qu'on a, là, on les utilise comme des boîtes noires. À la différence des modèles de prévision du temps qui sont évalués chaque jour par la prévision quotidienne. Donc, les modèles de climat, jusqu'à très récemment, c'était des boîtes noires. On avait une évaluation indépendante sur les paléoclimats. Mais les paléoclimats ne sont pas des analogues parfaits du climat futur. Et les collègues qui se sont collés à la reproduction des paléoclimats ont beaucoup galéré au début. Ce n'est pas du premier coup qu'ils ont été capables de reproduire le dernier maximum glaciaire. Donc, nous, là, on évolue, on teste des modèles en climat futur, ils n'ont jamais été testés dans ces conditions. Ce qui rend effectivement l'IA un peu suspecte en termes d'utilisation à court terme. L'IA, c'est déjà fait. L'IA bat les scores de prévision du Centre européen, qui est le meilleur centre de prévision au monde. Il y a au moins 4 modèles. On a eu un exposé très documenté récemment à Météo France d'un autre collègue qui a montré qu'on a 4 boîtes qui déjà explosent les scores jusqu'à 10 jours. Des modèles de prévision du temps. Ça évolue très vite. Monsieur Brasseur serait étonné s'il se remettait dans la littérature. En une année, les progrès sont fulgurants. Il y a 50 ans, le climat, la climatologie, c'était le domaine de la géographie. Les géographes ont pris un peu à la légère les physiciens et les modélisateurs du climat. Ils ont été balayés en 10 ans. Si on ne prend pas sérieusement en compte l'irruption du big data, du deep learning, etc., dans nos domaines respectifs de sciences ou autres, je pense qu'on risque aussi de passer à côté d'une vraie révolution. Mais il faut faire de l'apprentissage. Et on ne sait pas, pour l'instant, faire apprendre le climat futur, parce qu'encore une fois, on n'a pas de bons analogues du climat futur à donner à manger aux intelligences artificielles. Donc malgré tout, effectivement, nos modèles physiques, pour l'instant, restent la solution. Alors certains militent pour avoir des modèles beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus coûteux, et ensuite d'utiliser de l'IA pour générer d'autres réalisations possibles de ces modèles. Tout l'intérêt de l'IA réside aussi dans son caractère économique, du point de vue consommation d'énergie. Même si le rapport Villani nous avait mis en garde sur le fait que ça pouvait être très gourmand, notamment en termes d'apprentissage, là encore, la technique évolue très très rapidement, et aujourd'hui, l'apprentissage est long, mais une fois qu'il est fait, ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire réaliser une prévision du temps, c'est incommensurablement plus économique que de le faire avec un modèle météorologique tels qu'ils sont conçus actuellement. Donc, on est devant des probabilités, et puis, qui résultent d'une cascade d'incertitudes. Et en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de réduire cette incertitude, non pas en continuant à améliorer nos modèles, ce qui est tout à fait louable, mais dont on voit qu'on a des verrous scientifiques et aussi la nécessité d'avoir des ordinateurs de plus en plus énergivores pour avancer, avec des progrès assez limités. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une solution parallèle, au moins, à explorer, qui est d'utiliser au mieux l'information existante? Je vais essayer d'illustrer ça. Donc, je passe là-dessus avec une petite boutade, quand même, c'est que, en fait, on avait une pyramide d'incertitudes, une cascade, avec ces différents éléments. Et puis, donc, aujourd'hui, on a coupé le problème en deux. C'est-à-dire, on se place à niveau de réchauffement global donné. Certains voudraient même, peut-être, raisonner en niveau de réchauffement régional donné. Et là encore, il n'y a pas de lien univoque entre le niveau de réchauffement global et le niveau de réchauffement régional, parce que les modèles ne donnent pas le même réchauffement régional pour un même niveau de réchauffement global, mais c'est encore pire pour le cycle de l'eau. Et donc, en raisonnant comme ça, on a couplé le problème en deux. On a donné l'illusion d'avoir réduit les incertitudes, mais en fait, on a remis en amont
de la communication les incertitudes sur le lien entre les émissions et le réchauffement. Et puis, on a de plus en plus recours au storytelling, à ce qu'on appelle les storylines, en anglais, pour essayer de dire, bon, bah, si on a tel changement de circulation, par exemple, sur l'Atlantique Nord, alors, en fait, les températures ou les précipitations vont évoluer dans cette zone-là. Mais en fait, avec des si, encore une fois, on réduit l'incertitude, mais malheureusement, encore une fois, avec les si, on peut faire beaucoup de choses. Donc, dans ma conclusion, encore une fois, je veux... Alors, j'ai entendu récemment quelqu'un qui a travaillé pour le 6e rapport du GIEC dire que la meilleure adaptation, c'est l'atténuation. Je suis content d'avoir entendu Valérie et Guy, je crois, dire qu'il faut mener de front ces deux combats. L'un ne remplace pas l'autre. Et l'atténuation, tout dépend de ce qu'on fait en termes d'atténuation. De la même manière qu'il peut y avoir de la mal-adaptation, il y a peut-être de la mal-atténuation. Si, par exemple, on se dit qu'on va planter des forêts pour stocker plus de carbone, mais qu'on n'a aucune garantie de la pérennité de ces forêts, soit du fait des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses, soit du fait des feux de forêt, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de compagnies aériennes qui nous disent « Vous inquiétez pas, prenez l'avion, on va compenser en plantant des arbres. » C'est un pari qui me semble tout à fait risqué. Donc, il peut y avoir aussi de la mal-atténuation. Et encore une fois, l'eau n'est pas étrangère à cette question. C'est ce que je dis ici, les stratégies d'atténuation basées sur la nature sont-elles résilientes au changement du cycle de l'eau? Et donc, je plaide un petit peu pour que, en fait, on boucle vraiment la boucle, pour le coup, au sein du GIEC, c'est-à-dire que le groupe qui réfléchit sur les impacts et l'adaptation puisse informer utilement ceux qui réfléchissent sur les stratégies d'atténuation pour voir si, effectivement, elles sont résilientes aux impacts hydrologiques du changement climatique décrit par le premier groupe de travail. Et ça me paraît un petit peu être un trou dans la raquette actuellement au sein du GIEC, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Je voulais juste aborder donc le troisième paradoxe, l'idée que pendant longtemps, les modèles ont été utiles pour faire parler les observations et comprendre ce qui se passait, et restent très utiles pour ça, et c'est peut-être d'ailleurs leur fonction essentielle. Mais aujourd'hui, les observations sont utiles aussi pour dire, finalement, quel est le modèle le plus fiable ou quels sont les modèles les plus fiables? Donc ce sont des travaux qui ont été menés depuis un moment avec des méthodes parfois empiriques et depuis peu avec des méthodes qu'on appelle de statistique bayésienne, donc les probabilités conditionnelles pour ceux qui font un peu de stats, et qui permettent donc sur la base d'une distribution a priori de tenir compte des observations disponibles pour la corriger et produire ce qu'on appelle une posterior en langage statistique, c'est-à-dire une distribution compatible avec les observations disponibles jusqu'ici. Alors pourquoi c'est de plus en plus intéressant? Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique, il émerge, les signaux émergent du bruit de la variabilité interne. Et aussi, sur le plan hydrologique, en fait, l'effet des aérosols s'est arrêté, puisqu'on émet de moins en moins d'aérosols, et donc on voit de mieux en mieux la réponse à l'effet de gaz, à l'effet de serre croissant. Donc, par exemple, mon collègue Aurélien Ring, qui a développé cette méthode statistique qu'on appelle KCC, pour Kriging for Climate Change, a montré que les modèles qui chauffent le plus dans la génération SEMIP6 à l'échelle globale sont plutôt moins réalistes que les autres, ce qui est une bonne nouvelle. Mais malheureusement, il a aussi montré que sur la France, et peut-être que Lola va en parler, ce sont plutôt les modèles qui chauffent le moins qui sont les moins réalistes. Donc, encore une fois, les liens entre régional et global sont loin d'être univoques. Moi, je me suis intéressé à l'humidité relative à la surface des continents. Et j'ai essayé de voir si les observations à la fois de température et d'humidité relative à la surface des continents pouvaient nous enseigner quelque chose sur ce que nous disent les modèles pour le futur. Alors, je reprends d'abord le travail d'Aurélien Ribes, ici, avec 32 modèles SEMIP6, un petit peu moins que lui, parce qu'il me fallait aussi des données d'humidité pour ces modèles. Et vous avez en noir les observations. Donc, ce sont des anomalies annuelles par rapport à une période de référence qui est 95-2014. Donc, c'est ce qu'on appelle la Global Surface Air Temperature, donc la température de l'air en surface en moyenne globale. Et donc, vous voyez le réchauffement clairement amorcé dans les observations. Vous avez en rouge clair la réponse au forçage anthropique et naturel sur la base des modèles SEMIP6, c'est juste la réponse forcée, et donc qui ne tient pas compte de la variabilité interannuelle. Et vous voyez, donc, évidemment, comme la période de référence est ici, tous les modèles sont d'accord sur la période de référence, mais sont en désaccord avant et après. Et vous voyez qu'il y a un large spectre, ici,
sur la réponse en 2100, ici dans le scénario à forte émission. Mais l'incertitude est tout aussi grande dans des scénarios intermédiaires. Et vous voyez qu'en utilisant donc cette technique statistique pour regarder comment ça peut changer la distribution a posteriori des modèles, qui est montré ici en rouge foncé, ben vous voyez que ça tend à faire diminuer le réchauffement moyen, le trait épais, et ça réduit les incertitudes, c'est-à-dire que les modèles qui chauffaient le plus ne sont plus crédibles. Ils ne sont pas réconciliables avec le réchauffement observé sur la période historique. Maintenant, si on utilise ce même réchauffement historique pour contraindre l'humidité de l'air à la surface des continents, là aussi en valeur annuelle, Land Surface Relative Humidity, donc vous voyez que ça marche moins bien. Mais ça montre qu'après contrainte, en rouge foncé par rapport au rouge clair, on est plutôt un petit peu moins sec. Donc quand on tient compte du réchauffement observé, on a, ce qui peut sembler positif, un assèchement moins marqué, et on garde même la possibilité d'avoir, en moyenne globale et annuelle, des valeurs positives sur le long terme de ces anomalies. Vous voyez en gris clair ici les observations d'humidité qui sont disponibles seulement depuis 1973, avec quelque part une espèce de comportement assez intéressant, une rupture de pente et une diminution ici, qui semble tout à fait contradictoire avec la réponse de la méthode KCC quand on utilise uniquement les températures pour contraindre. Quand on utilise uniquement l'humidité pour contraindre, conformément à ce qu'on voit ici, en fait, on va tirer la distribution vers le bas, et donc un assèchement plus fort, et les modèles qui humidifient ne sont plus, compatibles avec les observations. Et on voit même que les modèles qui, d'ailleurs, assèchent le plus après contrainte sont encore en deçà des tendances récentes. Alors, le mieux, c'est d'utiliser à la fois les températures et l'humidité pour contraindre, et donc vous voyez qu'on a quand même réduit de 37% l'intervalle de confiance 5,95% sur les projections à l'horizon 2100. Et en fait, c'est encore mieux à plus court terme. Donc voilà, on commence à avoir des méthodes statistiques assez robustes et des observations dont on tient compte des incertitudes ici. Comme l'a dit Guy, une observation n'est pas fiable à 100%. Donc dans cette méthode bayésienne, on tient compte à la fois des incertitudes simulées et observées. Et on commence à pouvoir discerner quels sont les modèles les plus crédibles. Donc quand on s'interroge parfois sur ce que peut apporter encore le premier groupe de travail du GIEC dans la connaissance sur le changement climatique, question que s'était posée, je crois, Stéphane Foucard dans Le Monde à la parution du sixième rapport, je pense que, malgré tout, bien sûr que maintenant la question essentielle, c'est l'adaptation et l'atténuation, et c'est au groupe 2 et 3 de nous fournir des conclusions intéressantes, mais je pense qu'on peut toujours participer au débat et aider à affiner un petit peu la connaissance et l'anticipation du climat futur. D'ailleurs, encore une petite couche, moi j'ai trouvé un petit peu malheureux que le GIEC donc, essaie de répondre à l'injonction d'un des auteurs précédents sur le fait qu'il devait accorder une attention plus importante justement aux réponses atypiques, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément les plus probables, mais qui sont potentiellement plausibles. Parce que ce qu'a fait le GIEC, c'est qu'il s'est intéressé au modèle, ici chaque croix représente un modèle, il s'est intéressé au modèle qui chauffait le plus. Et il a dit, que se passerait-il si c'était ces modèles-là qui avaient raison ? Et donc ici, on a le réchauffement global sur une période récente en fonction de l'assèchement global continental sur cette même période. Donc chaque croix est un modèle SEMIPSIS. Et puis, vous avez une ellipse en bleu qui est finalement la densité de probabilité, l'intervalle de confiance 5,95%, compatible avec ces modèles SEMIPSIS, c'est-à-dire cette fameuse prior qu'on utilise dans la méthode KCC. Vous voyez en noir les observations. Alors, vous voyez que les observations peuvent être très incertaines. Quand on regarde ici des changements qui sont donc entre la période 2001-2020 par rapport à 79-98, vous voyez qu'on a des intervalles de confiance très larges parce qu'il y a de la variabilité interne et parce qu'il y a des incertitudes observationnelles. Mais vous voyez néanmoins que cette ellipse est totalement incompatible avec la storyline explorée dans le rapport du GIEC, qui est de dire qu'est-ce qui se passerait si c'était les modèles qui chauffaient le plus qui avaient raison. Parce que ces modèles qui chauffent le plus sont incompatibles avec le réchauffement observé. Par contre, dans mon approche à moi, qui est de regarder les modèles qui s'assèchent le plus, si je prends les 10 modèles qui s'assèchent le plus, je suis ici, dans ce rectangle rouge, et je suis totalement compatible avec les observations. Donc il aurait peut-être été plus intéressant de dire et si les modèles qui s'asséchaient le plus avaient raison. Ça, c'est le différentiel d'assèchement entre les 10 modèles qui s'assèchent le plus en moyenne annuelle à la surface du globe par rapport à tous les modèles. Et ça, c'est le différentiel de réchauffement. Donc c'est des différences de différences. OK ? Donc vous voyez que par construction, on a un assèchement supplémentaire. Alors pas forcément
d'ailleurs beaucoup sur le pourtour méditerranéen, parce que malheureusement pour vous qui vivez ici, ça c'est quelque chose sur lequel les modèles sont d'accord. Les climats de type méditerranéen vont s'assécher et au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus sec que sec. Hein. Il y a des limites physiques à l'adaptation et il y a des limites physiques au contenu en eau des sols. Mais vous voyez qu'aux moyennes latitudes, de manière inquiétante, on pourrait, avec un assèchement plus réaliste, avoir par ailleurs un réchauffement plus important encore que disent les modèles en moyenne. Donc voilà, je vais finir sur cette note un peu négative, pessimiste, mais aussi optimiste sur le fait que en science, on continue à évoluer dans nos pratiques et dans nos méthodes pour évaluer une information aussi probabiliste que possible, non seulement en regardant la distribution temporelle, y compris les événements extrêmes, mais en regardant les modèles individuellement et pas seulement la moyenne de tous les modèles. Voilà, merci pour votre attention.